Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 30, je crois, de la saga des Roguevies. J'espère que je ne me trompe pas sur le numéro d'épisode, mais je crois que c'est ça. Dans cet épisode, on va enfin commencer à attaquer les choses sérieuses, notamment parce que cet empire, je crois que c'est méridonial. Effectivement, c'est l'empire méridonial. C'est vachement étendu, hein, mine de rien. Ils n'ont perdu aucune de leurs grandes villes. Donc Poros, Lycaon, Ficaron, Vostrum, Danostica, Onira et Sironea qui étaient leur base. Donc ça, ils n'ont rien perdu du tout. Et ils ont même eu le luxe de prendre Akalat, Sheikand et Makeb. Et actuellement, notre royaume est en guerre contre eux. C'est pas vraiment notre royaume vu que c'est celui du roi Ragenvad, mais on est un fidèle vassal dans l'immédiat de ce dit Ragenvad. Et il est temps pour nous de commencer à s'intéresser un petit peu justement aux batailles un peu plus intensives, voilà, aux potentielles escarmouches à aller chercher. Donc par exemple ici on voit qu'il y a une armée de 410 qui se dirige contre nos 87 forains. On va complètement laisser dans la merde bien évidemment. Ici on a 1018 troupes. Par contre on n'a pas rêve là-bas. Il a 5 de vitesse de base. Est-ce que c'est 5 en forêt ou... Parce que là j'avoue que je serais quand même bien tenté. Ah non, c'est pas en forêt. Ouais, donc on va essayer de faire ce genre de petite escarmouche. Donc celle-là on va quand même la garder. On sait jamais que je n'aurai pas l'occasion d'en avoir d'autres. Et globalement, c'est ce qu'on va faire sur cet épisode. On va donc partir en guerre, essayer de faire en sorte que nos troupes s'améliorent, ainsi que nous-mêmes, hein, bien évidemment. On va essayer de s'améliorer sur les ordres donnés aux troupes. On va essayer de s'améliorer sur pas mal de trucs, en réalité. Hein. Peut-être juste plutôt... J'aimerais bien avoir du ligne d'archer, quand même. Je peux pas zoomer. Je pouvais zoomer avant. Pourquoi je ne peux plus zoomer après? Ah, ok. C'était l'autre bouton. Alors, hops. Bon, c'est plus ou moins deux lignes, ça marche. L'infanterie en trois lignes, ça me semble essentiel. La cavalerie, moi j'aime bien savoir la formation en écheveaux. Et pas seulement pour le jeu de mots. Alors ici, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre l'infanterie. Mais alors, donc ici ce serait infanterie avec bouclier, et ici ce serait infanterie comment? Est-ce qu'ils ont des armes d'Est? Non. C'est quand même bizarre que... Ah voilà, je me disais bien, ok. Où qui sont nos fidèles machins là? Nos briseurs de ligne, ils sont où? Ils sont là, voilà. J'en ai trouvé un. Alors le briseur de ligne, c'est... Ouais, non, c'est juste une hache à deux mains. Hein. C'est... Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas sélectionner ici les unités qui n'ont, par exemple, pas de bouclier. Donc par exemple, si jamais je fais ça, j'aimerais pouvoir faire l'inverse. Donc supprimer ceux qui auraient des boucliers. Ils ont pas d'armes de jet. Bon, ils ont potentiellement quand même de l'armure lourde, puisque c'est quand même pas des... Des personnes de merde non plus. On va voir. Non, c'était pas vous que je voulais. Je suis désolé. Je vais vous remettre là. Merci. Alors, deuxième troupe, disais-je. Voilà. Si jamais je fais ça. Donc, je demande bien à ce qu'il n'y ait pas de bouclier. Enfin, non, en fait, je demande juste à ce qu'il y ait de l'armure lourde. Voyons voir. Si jamais je fais ça. Alors si j'en mets 8, admettons. Faut que je fasse ça, voilà. Je suis pas encore habitué au mécanisme ici. Bon, ça m'a l'air correct en vrai. Bon, c'est pas totalement ça, mais dans l'immédiat, ça fera l'affaire. On va juste en diminuer de 1 puisque on a un gars à bouclier. J'en ai diminué de 2, mais c'est pas grave. Ok, donc ça va aller ici. Il va falloir recruter un commandant ici pour les armes à deux mains.
Donc on verra ça. Plus tard. Bon, la disposition m'a l'air ok. Bon, bien évidemment. Évidemment, évidemment, ils sont beaucoup moins nombreux que nous, donc c'est clairement pas eux qui vont venir à nous. Hein. Un truc que j'aimerais bien, c'est... comment dire... Ah, mais ils viennent à nous en fait, hein. Oh les cons. Vous allez vous mettre en mur de bouclier et charger. Vous allez charger. Vous allez vous mettre là. Hop, ok. On a eu quand même quelques morts, malheureusement. Je m'attendais pas à les voir nous charger dessus, pour être honnête. Ouais. Je l'ai un peu passé. Aïe. Ceci, c'est un rocher, bien évidemment. Mais comment se fait-ce qu'ils me chargent alors qu'ils sont en infériorité ultra numérique, là? Ah non! Oula! Quel enfoiré! Sous mes yeux! Donc j'ai eu 5 morts, j'ai perdu un drusinique, j'ai perdu 2 lanciers surgiens, bon c'est pas des lourds donc ça va, et 2 soldats. Ça va encore, c'est pas trop grave. 6 blessés. On va dire qu'ils sont libres de partir, on va faire monter notre charme. Et on va bien évidemment prendre tous les prisonniers possibles pour les revendre. Les soldats sturgiens, il y en a pas mal qui ont pris des niveaux, donc ça c'est cool. Alors tous mes lanciers sturgiens là actuellement, ils ont pris quelques niveaux. Voilà, Pierre des Mers, même chose. Le Vareg peut passer en vétéran Vareg, très bien. Ok, ok, bon on a perdu quelques troupes, c'est pas trop grave. Et je gagne de la relation avec les Kulowing, qui donc, si je ne me trompe pas, une famille sturgienne. Je pensais que Ragnvald bougeait, mais non. Non, il ne bouge pas. Ok, donc c'était juste moi qui étais en train de rêver. Ça me va. Voilà, donc en gros, le but ici, ça va être de vérifier un peu les alentours. Voir ce qu'on peut potentiellement attaquer en tout bien tout honneur. Bon, les caravanes ici ça va être dur quand même parce qu'ils ont plus de movement speed que moi, quoique... Là, je fais ça là d'un coup. Zana donne naissance à un bébé en parfaite santé. Oh, mon deuxième enfant. On a déjà vu la cinématique, mais vu que c'est quand même bon là... La descendance, on va quand même regarder jusqu'au bout. Par contre, j'aimerais savoir dans quelle île elle se trouve, parce que là, on est en pleine campagne. Et pour une tente, les murs m'ont l'air quand même bien solides et bien en pierre, surtout. Ah là là. Quel couple parfait que nous formons, n'est-ce pas ? Je crois que c'est la fin de la cinématique, hein, globalement. Ils vont rester là, ce... Ouais, c'est ça. Ok, donc j'ai un deuxième enfant, et on va voir comment il s'appelle. Le premier, c'était Ragnar, de mémoire. Où est-ce qu'il est, Ragnar? Donc ça, c'était mon premier enfant, il y a 1 an maintenant. Et maintenant, on a Ivaren, qui a déjà honnête et audacieux, hein, comparé à Ragnar, qui n'a rien du tout. Donc il a pris les traits de sa mère. En même temps, je suis honnête aussi, apparemment. Villageois. Borithor, Borithor. Ça, ça me plaît bien, des rats du lac, là. Viens donc tâter le monde. Qu'est-ce que c'est? Messager de l'Empire Méridional est arrivé avec une offre de paix. Le payera 3410 deniers en tribut chaque jour. Bon, tout le monde veut faire la paix. Oh, mais c'est pas drôle. Le problème, c'est que si je dis non, ben, je vais avoir moins de relations avec les autres. Alors que si je dis oui, et que je mets juste 20 points,
Ah, ma relation avec Ragnvald va s'améliorer et je pense qu'avec les autres aussi. Donc Gundarowing, c'est sûrement Ragnvald, je pense. Ouais, c'est ça. Non, c'est tout, ok. Oh, mais j'étais si content, moi, de faire la guerre. D'enfin pouvoir participer. C'est toujours mes ennemis, eux. Ah, ils sont ennemis aux Sturgiens. Oh. Ils sont pas forcément alliés des machins, là, de l'Empire. Ça me va très bien, ça. Donc on va refaire la bataille aussi, hein. Et on va la garder, pourquoi pas. Parce que Bannerlord, c'est vrai que ces derniers temps... J'ai pas fait grand chose de vraiment guerrier, hein. Faut être honnête. Mais en même temps... Un jeu bac à ça, donc il y a pas mal de choses à gérer. Alors est-ce qu'ils vont venir vers nous? Est-ce que les autres l'ont fait, mais eux là... Ça m'a pas l'air, hein. Ce que j'aimerais bien voir, ce serait un mode plus reculé pour pouvoir donner mes ordres de déplacement. Ou au moins une méthode qui me permettrait de voir précisément les drapeaux en toutes circonstances pour voir exactement où je les place. Parce que j'avoue que là je suis un peu dans le flou. Ok, donc ils se partent se réfugier. Oh non, dans les forêts, c'est chiant. Très mauvais souvenir avec les forêts. Donc on va mettre ça ici, ça là comme ça. Non. Ça plutôt là. Et ça ici. Donc voilà, magnifique. On va quand même les mettre en mur de bouclier parce que bon, quand même. Respectons-nous un peu. Un petit peu plus haut. Un peu plus bas. Non mais vraiment, ça se joue au poil de cul. Ah ben voilà. Là apparemment j'ai trouvé le bon poil de cul qu'il fallait. Alors, vous allez continuer à avancer. Ah, j'ai fait des dégâts, j'ai pas fait une gaffe. Alors vous allez avancer un tout petit peu derrière, genre là. Vous allez avancer un tout petit peu. On va les envoyer charger. On va les envoyer un peu sur le côté ici. Plutôt comme ça. Ensuite on va sélectionner 1, 2 et 3 en même temps. Et on va demander à tout le monde de le charger. Alors c'est normal que je perde des troupes, hein. Et ça me dérange pas tant que ça. J'ai pas des troupes très élevées. En termes de niveau, totalement normal que je perde des troupes. Ah ! Quelque chose me dit que ce fut une arme de type Ast. Et que ça fait mal. Ok, donc j'ai perdu une troupe au total, et on a perdu quoi comme troupe? C'était encore un champion de Ruznik, décidément. Donc on gagne de la renommée, de l'influence, on s'en fout. 25 prisonniers, très bien. On prend quelques points, c'est très bien aussi. On a quelques blessés, c'est magnifique. Pour notre soigneur. Hein. Vous avez bien combattu, tout ça, tout ça. On prend les prisonniers. Ici, tous nos soldats sturgiens peuvent monter de niveau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en monter genre 17. Et alors, le reste, ce sera du briseur de ligne. Archer sturgien, etc. Ok. Grippier, ok. Alors, lancier sturgien qu'on va mettre ici, du coup. Comme ça. Alors, briseur de ligne derrière, on doit avoir les briseurs de ligne normaux. Chasseur, vétéran Vareg, c'est un peu en dessous de la cavalerie, puisque c'est eux qui ont évolué. Et les bandits, à la fin, ça ira très bien. On ramasse tout, j'ai gagné des points de commandement, c'est très bien. Et on pourrait se permettre d'aller à Onira.
Voir s'il n'y a pas du Pugio à acheter. Qu'est-ce qu'ils veulent, artisan? Bon, rival, on s'en fout. Alors, tous nos prisonniers, boum, c'est fait. Vu que ce ne sont pas des bandits, de toute façon, on ne pouvait pas les vendre à... pour la quête avec les mines. De type, j'ai besoin d'hommes pour travailler ou je sais pas quoi. Alors, au niveau du commerce, vous avez envie de poisson? Mangez donc mon poisson. Il est frais, mon poisson. Voilà. Des olives, voilà. Prenez-en quelques-unes. Prenez donc de la bière. Du lin tissé, vous aimez ça? Ça tombe bien, j'en ai plein. La vache, vous aimez. Le cuir, vous adorez. Oups, peut-être pas tout vendre. Le cuir, vous adorez, c'est très bien. Fléau des chevaux, on va garder. Et ça, c'est quoi ça? Ça, on va vendre les deux ici, je pense. On va faire ça aussi, on va vendre. On va essayer de garder uniquement ce qui est utile, ce qui n'est pas gagné. Ensuite, à ce niveau-là, on va prendre par valeur, voir si... Ok, ça, on pourrait garder, par exemple. Ça, on pourrait garder aussi. Au niveau des armures, on a quand même de quoi faire. Et au niveau des bras, ça, à la limite. Voilà. Et tout le reste, ça m'a l'air d'être garbage tier, donc on vend. Bouclier rond lourd, ça, ça m'a l'air de très bien par contre, donc on va le garder. Qui c'est qui a besoin d'un bouclier, là? Ouais, non, mais nos ondes, on s'en fout un peu, là. Melia, bouclier rond épais. Ouais, c'est quand même vachement mieux. Et Gutrag, il en est où, là? Ouais, voilà. Là, c'est mieux. Beaucoup mieux, là. Ok, ok, alors Ecadria, elle n'a pas besoin, elle n'a pas besoin, et Yana là, Yana, Yana, Yana. Elle a un meilleur bouclier, un peu plus petit, mais meilleur, ok. Elle va prendre des harpons, tiens, pourquoi pas. Et tout le reste est pas utile, j'ai l'impression. On va juste garder ça. Non, même pas. Même pas, même pas. On a mieux. Alors ici, vous avez évité de vendre, puisque si on fond, on peut avoir des matériaux. Est-ce que vous avez du Pugio? Non, hein, bien évidemment. Bon, alors Onira, ils ont pas de Pugio. Je vais voir juste pour peut-être faire le tournoi. Côte de maille décorée du sud, ça me dit quelque chose. Ça me dit que... Oh, oui, c'est ça, merde. Bon, bah tant pis, hein, participons. Maintenant qu'on est dedans, de toute façon... Ah non mais, ah l'enfoiré, il me juke. Enfin, respecte-moi un petit peu quoi, je suis juste à côté. Ok, très bien, il est où Yun? Donc il y a un vert et un bleu à se farcir, ça c'est bleu ça non? Moi j'ai un doute. Non, si le rouge va pas dessus, c'est qu'il est pas bleu. Ça, ça c'est bleu par contre. Ah non, mais il s'arrête au pire moment. Bon. Une petite lance là. Merci. Un peu galère de ramasser les armes au sol quand même par moment. Donc j'aimerais bien que l'Empire, enfin que le royaume redéclare une petite guerre. Qu'on puisse un peu s'amuser quoi. Maintenant que j'avais pris ma décision d'enfin rentrer dans le tas, j'ai eu droit à une bataille avant qu'on fasse la paix quoi. C'est pas ça, on gagne de l'argent hein, mais quand même. C'est qui que je dois faire gaffe? Honneur aux dames. Ouais, féroce hein, la petite. Aïe, non mais je voulais rien dire sur votre taille. Pas la peine de vous énerver non plus. C'était un compliment.
Et vous êtes costaud en plus, hein. Vous avez pris quelques coups dans la gueule là. On fera une bonne équipe, j'en suis certain. Alors je vais quand même mettre mon bouclier parce que j'ai pas vraiment confiance. Ah, elle joue. Oh, mais non, c'est pas Yuna, c'est Sitakia, mais incroyable! Quel talent, quel teigne! On va quand même remporter le tournoi parce qu'il faut pas déconner, mais quel teigne! Ah, au moins elle a bloqué un coup, deux coups, pas mal. Trois! Pas plus. C'est vrai qu'elle était plus costaud sur le round d'avant en termes de points de vie. Peut-être moi qui me suis tout fourvoyé, je sais pas. En tout cas, c'est fait. Au moins, on aura fait un tournoi. Bon, c'est pas comme si on avait fait 25 000, mais... du coup, je vais en profiter. Je vais me taper Danoustika, Vostrum, etc., etc. pour voir après des Pugio, tant qu'on y est. De toute façon, il y a mes machins qui se font... mes bâtiments qui se font au niveau de... c'est où déjà? Au niveau de Tial. Par contre, j'aurais bien voulu qu'ils prennent le château de Tiratos, comme de Enfin, le château, quoi. Bon, je vais juste voir ce qu'ils ont à la reine. Cheval Cossien, ça vaut de l'argent, c'est vrai, mais bon, tant pis. On va faire comme si on n'avait rien vu. Rien vu, rien entendu. Pugio, ils en ont, j'achète. J'ai pas regardé s'ils voulaient acheter certaines choses, de type... pas de cuir en tout cas, pas de bière. C'est dommage. Allons voir Vostrum. Donc là, écorce de saule, donc Ecadria qui gagne des points de médecine puisque j'ai quelques blessés. On va aller juste faire les 18 pierres ici, c'est juste pour faire XP quelques troupes. On va le simuler. Oh, quoique, non, on va pas le simuler. Je vais le faire, mais ça va être cut. Et une bataille facile, bien évidemment. J'ai essayé de faire en sorte de faire XP les briseurs de ligne. Pour justement en avoir de bonnes qualités. Alors, on va voir si ça s'est répercuté. Bon, on en a un qui a pris de l'XP. Ok, c'est plutôt pas mal. Les Scramasax, etc. On prend... Vostrum, j'y ai pas encore été, je crois. Pugio, pour favor. Non, pas Pugio. Fromage, beurre, bois dur, peau, ok, ok. Bon. Pas grand chose à dire, si ce n'est que cette ville ne nous intéresse donc pas du tout. On va se diriger vers Poros. Puisque je vois qu'il y a du raisin par ici, donc on va y aller. On va clairement y aller. J'aurais pu vendre mes prisonniers, j'ai juste oublié. C'est pas bien grave. Bon, on gagne de l'argent, c'est cool. Même si je sais pas si mes ateliers, etc. Caravane d'Alishkel rapporte pas mal, les ateliers. Mi fig, mi raisin. Un Pugio, waouh, incroyable. Payons une machaise. On va vendre un peu de céréales ici, puisqu'il les achète quand même pour 10. Fer brut, on va en vendre quelques-uns aussi quand même. Histoire de faire un peu de place. Pas comme si on en manquait de toute façon. Et c'est tout. Tout le monde, on va remonter vers l'Icaron ou pas? Ah non, mais j'ai oublié d'acheter des machins, là, j'avais dit quoi? Des raisins, je crois. Boum raisin, boum olive, boum date, boum beurre et boum fromage. Ça me paraît très bien ça. Ça me paraît très bien. Bon, Zeonica, etc. Ok, on pourrait aller à Mitatis. L'Icaron. Ah, l'Icaron, ils ont quand même du fer, donc... Ils ont une mine de fer pas loin.
Donc on peut espérer qu'ils ont un forgeron d'armes dans la ville en termes d'atelier. Gagne de l'argent, c'est très bien. Alors taverne malheureusement. Ah, c'est vrai que je peux vendre mes machins. Pourquoi je vais à la forge? Je me suis trompé de bouton. Alors voyons voir, voyons voir. De la laine, de l'argile, du bois dur. On va prendre le bois dur. Et s'il vous plaît... Ah, ils ont du xyphos, mais ils ont pas de... Bon, il y a une côte de maïs ici qu'on va quand même garder dans le doute. Et... ça qu'on va vendre. Faire un peu de pognon quand même. Et c'est tout, on n'a pas vraiment moyen de vendre autre chose. On va aller vers Sanopea, on va essayer de remonter vers Thial de fait. Oh, il y a Ficaon, hein. Ficaon j'ai pas fait gaffe. Alors, je vais faire Ficaon, Misea, Amprela, Sanopea, Diatma, Orgoron, enfin je sais pas. On verra bien quel chemin je ferai. Ouh, il y a pas mal de pillards par ici. Ok, matériaux bruts trop chers, on s'en fout. Ah, Agdil, hache sanglante, 152 à une main. 202 à deux mains, mais c'est magnifique. Mais tu es recruté, Agdil. Oublions les politesses et passons directement aux affaires, qu'en dites-vous? Quoique hache sanglante, je crois pas que j'ai vu leur background. Donc, vous avez entendu parler de la mort du dernier empereur? Laissez-moi vous dire que ce que la plupart des gens croient est un tissu de mensonges. J'étais dans la garde Vaegir à l'époque d'Arenikos. Nous prenions la discipline très au sérieux. Nous en étions fiers. Et puis les émeutes se sont produites. Ce que j'ai vu à l'Écaron a continué à me couvrir de honte. C'était pas facile pour les hommes. Ils avaient l'impression que la ville s'était retournée contre eux, qu'elle les blâmait d'avoir tué l'empereur. Quoi qu'il en soit, nous étions sûrs d'être innocents, qu'il devait y avoir une sorte de complot. Mais même, ce n'est pas une excuse. Nous aurions pu marcher en ordre de bataille, personne n'aurait fait le poids contre nous. Si nous ne pouvions pas restaurer l'ordre, nous aurions au moins pu rentrer chez nous avec honneur. Mais au lieu de ça, nous avons dirigé notre colère contre la ville. Mes camarades ont pillé, incendié et même massacré ceux que nous étions censés protéger. C'était le déshonneur absolu. Et j'ai entendu parler des émeutes à l'Icaron, c'était horrible à tous les niveaux. J'ai pensé à rentrer chez moi, mais j'ai perdu les deniers que j'avais économisés pendant les émeutes. Si jamais une compagnie était à la recherche de bons soldats, j'aimerais bien me refaire un peu d'argent. Si vous avez du travail pour moi, nous pourrions discuter. Bah oui, tout à fait. Un peu d'argent en avant, 520. Oui, tout à fait, je peux payer, oui. Magnifique. Alors on va voir un petit peu ce qui... on peut... comment on peut l'équiper. Là, bon... être très guerrier quand même. Se mentir. Voyons voir une arme à deux mains. Bon là tout de suite j'en ai pas. Je vais t'en passer une dans pas longtemps. Bouge pas j'ai envie de dire. Alors on fait par type, voyons voir. Prends-toi donc ce casque nasal à maille. C'est protection d'épaule cloutée renforcée. Cette côte de maille décorée du sud. Et au niveau des... ah oui, c'est non, il y a les brassards avant. 9, 20. Ce canon d'avant-bras. Et ces bottes éclipsées. Là, tu es... là, tu es paré, mon ami. Alors maintenant, il te faut... ouais. Peut-être pas celui-là, mais on en trouvera un autre. Et il te faut une arme à deux mains. Est-ce que j'ai de quoi faire? Ouais, j'ai assez pour crafter une arme, je pense. En termes d'énergie. C'est le cas. Magnifique. Oh, plus 3 de dégâts tranchants de taille. C'est... pas mal ça. On va l'appeler la découpeuse. Voilà. Découpeuse de lilas. Découpeuse de lilas. Allez, hop.
Lila, comment ça s'écrit comme ça? Comme ça? C'est comme ça, je crois. Je crois que c'est ça. Bon, dans le doute, c'est pas grave. C'est juste pour donner un nom à l'arme pour que je sache qu'il ne faille pas la vendre. Alors, où est cette découpeuse de Lila? Valeur, pour favor. Elle est à combien, là, en termes de prix? J'ai pas vu. 31 815, quoi, hein. C'est quand même pas rien. Donc là, actuellement, tu n'as que ça. On pourrait te donner des armes de jet, si j'en avais. Donc on verra ça plus tard. Ok, magnifique. Ah oui, qu'est-ce que... Arène. Cœur noir, on s'en fout. Bandit des montagnes, bon, pourquoi pas. Ce serait une bataille qui va être cut, bien évidemment. Voilà, une bataille bien facile, comme il se faut et comme il se doit. Pas grand chose à en dire. C'est facile, voilà. Alors, je fais ce genre de bataille juste dans l'idée d'essayer d'XP un peu mes troupes. Justement, pour être un peu plus efficace... au moment où on aura une véritable, comment dirais-je, une véritable guerre sur les mains. Est-ce que j'ai vérifié à Ficaron s'il y avait des... Je pense que oui, hein. Je pense que j'ai vérifié s'il y avait des machins là, les pougios. Il y a 20 pierres là. Bon, celle-là, je vais la simuler et voir si on a des pertes, pour voir s'ils ont rectifié ce truc. You best back off. Shaykhand, ok. On a eu un blessé, mais ça va, il est pas mort. Un lancier sturgien, ok. Bon, pourquoi pas en vrai, j'ai l'impression que ça a été un peu amélioré cette chose. Alors j'ai de la chance, je sais pas. Commerce 75, très bien ça. Double les gains de relations en résolvant, ouais. Double gain de relation résolvant les problèmes. On vendait des animaux. Non, on va faire pour acheter dans des villages, je pense, je suppose, j'en sais rien. Je sais pas ce qui est le mieux ici, vraiment. Par contre, Shaykhand, il y a peut-être moyen d'aller le chercher. Hein. Il y a peut-être moyen d'aller les chercher. Embuscade de caravane. Après, embuscade de caravane, c'est chouette. C'est vraiment chouette comme mission. Oui, je vais tous les rançonner. Pugio, magnifique. J'aime, j'apprécie. Alors la bière, bah, j'apprécie pouvoir en vendre, effectivement. Ouah, je peux quasiment tout vendre, dis donc. Un tout petit peu d'olive. Vendre un peu de fromage, un petit peu de beurre là. Alors, outils, vin, etc. Non, on garde. Alors, voyons voir. On va aller vers Amprella. Non, Misère en fait avait une bonne quête qui était embuscade de caravane. On va quand même la faire. Donc, on va attendre qu'elle parte. C'est laquelle? C'est celle-là, hein. Bien ça. Ouais, je crois que ça. Ouais, c'était le con ici, donc oui. Magnifique, 61 bandits des montagnes, ça fait une belle petite bataille. Bon, elle est gagnée d'avance, mais on va quand même la garder. Histoire d'avoir eu quelques belles petites batailles. Alors, on va plutôt... Non, c'est ça. Par contre ici, ça j'aime beaucoup, le fait qu'on soit en hauteur comme ça là. Et alors, la cavalerie juste là. On va faire en sorte par contre que ça ce soit là. Ok, et on va donner l'ordre à tout le monde de charger.
Maintenant que l'engagement a été effectué, c'est beaucoup les paysans de mes alliés qui ont pris un peu Bagdad, disais-je. Bouge pas de là. Ah merde. Mais t'as une épée qui est plus petite que la mienne. Bien que c'est pas la taille qui compte, mais quand même. Après certains disent que c'est pour se rassurer qu'on dit ça, j'en sais trop rien. À partir du principe que c'est pas la taille qui compte. Voilà. C'est la manière dont on se sert de son épée. Magnifique. Non mais j'ai pas envie que vous vous enfuyiez moi, revenez. Oh non, des arbres, notre pire ennemi. Je comprends ta douleur. C'est pas la raison pour t'échapper sans moi, espèce d'enfoiré. Bon tant pis, alors est-ce qu'on a eu des morts nous? Non, on a juste eu un blessé, très bien. 91% de la part du butin, magnifique. On a progressé, ok, pas mal. Ça nous fait 30 prisonniers à revendre, c'est très bien. Alors briseur de l'insurgent, ils ont pris un peu d'XP aussi, ça c'est cool. Guiri pillard des mers, ils deviennent tous donc des chefs pillard des mers, très très bien. Ça se passe plutôt pas mal. On reprend le butin. Oui, c'est une bonne chose, tout à fait. Et en plus, on gagne de l'argent pour ça. Donc, franchement, on était parti de Miséa. On se rapprochait justement d'Emprella, là où on voulait aller. Ça tombe bien. Gavalon, pari frauduleux, c'est non. Rançonnez vos prisonniers. Par contre, là, c'est des prisonniers de type bandit, là, des brigands. Ah ouais. Donc là, il y a peut-être moyen de se faire une petite quête de type besoin de travailleurs. Voyons voir du côté de Syratos. Voyons voir du côté de Syratos. Oh, ils ont 18 prisonniers. Oh non, mais ça je fonce. Comme jamais, je fonce. Pardon ? Garde de Khan Kuzaït ? Pillard ? Pardon ? oui, non, mais je crois pas. Hein. Mais dans quel monde ? Ah, le monde est tombé bien bas si des guerres de Khan Kuzaït se retrouvent coincés avec des brigands. Alors cette bataille, je la fais et je ne la cut pas tout simplement parce que je suis curieux de savoir c'est quoi ce bordel. Avec ces Kuzaït là. Alors avancez, vous allez vous mettre en mur de bouclier. Avancez un petit peu, voilà. Avancez. Alors qui est-ce qui nous tire dessus? C'est des chevaux, hein. Bon ok, ils vont s'occuper de l'infanterie, c'est très bien. Vous allez me follow. Le prix de... Comment j'ai pu manquer un base... Mais enfin, voilà. J'ai visé au-dessus. Mais... Voilà, un Bucellarius impérial. Donc ok, c'est pas une troupe de merde. Hein. Ok, donc ça c'est réglé. Est-ce qu'il y a encore des ennemis? Il y en a un ici apparemment. Non. Il est mort avant que je puisse réagir. Ah, il y en a là-bas. Alors, voyons voir. Mais ils sont où ces machins Kuzaït là? Bon, sinon je vais demander à tout le monde de charger. Hein. Que j'arrive pas à les trouver, moi. C'est quoi cette affaire? Toi, t'es un sturgien. Et ça là-bas, c'est quoi? Tu sais quoi, je vais te suivre, t'as l'air de mieux connaître le chemin que moi. Ou pas, en fait, ok.
Aïe. Moi qui pense avoir amélioré ma conduite. Moi qui pense avoir passé mon permis cheval poids lourd. Ce serait pas ce machin là, là? Non, c'est un sturgien. Ah, il est là en plein milieu là. Oh, oh. C'est bon, il est mort. Ok, donc il y avait bel et bien... Donc il y a un Bucellarus impérial, un garde-canne Cusaït, un Ménavliaton impérial, sergent arbalétrier, soldat d'infanterie chevalier... chevronné, pardon. Un Viglan Nobis impérial. Je sais pas d'où ils ont eu tout ça. C'est un sacré groupe de brigands quand même. Ok, c'était cool. Dormo, n'est-ce-vous? Suis-je libre? Oh, c'est peut-être comme ça en fait. Ils ont sûrement battu Roland, alors je sais pas par quel miracle. Ils devaient sûrement avoir des prisonniers ou alors avoir des... Non, sûrement des prisonniers, je pense. Et les prisonniers, donc, du coup, ont accepté de rejoindre les brigands en tant que troupes. Donc détendez-vous, votre cavité est terminée. Je vous remercie, les remerciements sont pas nécessaires. On fait partie du même bateau, et puis je sais bien que tu m'aimes pas trop, donc voilà. Combien on a augmenté? 18, oh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc je peux recruter des troupes ici, mais je n'ai pas le droit de prendre autre chose que du sturgien. Donc l'ancien sturgien, je prends. Drusinix sturgien, champion Drusinix sturgien, lancier sturgien lourd, magnifique. Que de la qualité. Que de la qualité, c'est gratuit. Donc tout ça, c'est du pas sturgien, ça je reconnais. Hein. Et tout ça, bah c'est voilà, c'est prisonnier. Alors on prend tout ça. On va juste essayer de se rendre à Siratos. Et si pas Siratos, on verra bien où. Non, ici ils ont pas de quête. Peut-être dans les trucs de lin là-bas. De soie, pardon. Qui pourrait avoir besoin de travailleurs, c'est pas le cas. Est-ce qu'on a du... On en a près de Varnavopol. Sinon il y en a ici. Il y a Atrion potentiellement. J'ai pas envie de garder mes prisonniers 25 ans non plus. Je vais essayer d'aller vers Makeb. Parce qu'il y a des mines de fer pas trop loin. Voilà. Aneski par exemple. Et une fois que ce sera fait. Ce sera fait. Ce sera déjà pas mal. Un peu de fromage, oui, je mange pas de pain. On prend le bois, bien évidemment. On a plus beaucoup de bière, donc je peux pas t'en... Allez, je t'en vends, hop. On est comme ça, on n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ici, à Chapechte, là, je sais pas quoi. C'est du sel, ça, je crois. Et pour le sel, je crois... Merde. On fera ça plus tard. Là, j'ai besoin de me débarrasser de mes prisonniers à un meilleur prix si possible. Il y a une quête, ça me plaît bien. Dans le pire des cas, il y a peut-être Kimli là-bas. Et non pas les studios Ghibli. Propriétaire terrien. Voilà, magnifique. On va aller le visiter. Well now, stranger. Je suis Tormund. On m'a dit que tu avais besoin d'aide, prisonnier, tout ça. Il t'en faut combien? 28 prisonniers, mais c'est parfait. J'ai ce qu'il te faut, bouge pas. Non mais Miziam, ne bouge pas, il faut que notre transaction reste secrète. Voilà. Tu sais, ta tâche là. Voilà, j'ai 31 brigands pour toi. Oh c'est tout, voilà. Hop, voilà. 8305 deniers, ça fait plaisir. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire l'extorsion là-bas pour dire d'avoir une dernière bataille. Pour se préparer à la guerre. Qui prépare la paix, prépare la guerre. C'est qui prépare la guerre, prépare la paix. En fait, les deux sont juste de vason. Donc l'un dans l'autre. On m'a dit que vous avez besoin d'aide, etc., etc. Je vais attendre. Alors on fait ça pour lever les troupes, bien évidemment. Alors le groupe de déserteurs, est-ce qu'on le prend... Oui, on va le prendre en...
En terrain. Bon, par contre, ils sont que 28. Je pensais qu'ils seraient plus que ça. Donc, on va... On va passer le combat. Et on terminera l'épisode un peu après là-dessus. Voilà, la bataille est terminée. Alors, elle était très simple. J'ai voulu charger dans du cavalier. Qui était un peu trop rapide pour moi. Je me suis retourné vers l'infanterie. Et j'ai été accueilli par... comment dirais-je... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Par une arme à deux mains qui va défoncer le fiac. Voilà, je pense que c'est le plus apte. J'ai quand même réussi à me relever, à lui mettre une patate pour le défoncer, mais il y en avait un derrière lui, et voilà. Donc il faut que je retienne pour l'avenir... Être plus prudent. Là, on a 10 briseurs de lignes sturgiens, héroïques, magnifiques. Nos lanciers sturgiens, ils progressent bien aussi, c'est très très bien. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un troupeau à tout hasard? Morale élevée, désorganisé, c'est normal, oui, oui. Je ne vois pas de troupeau. Après, je vois un peu flou. Ça, c'est très bien, on va aller récupérer notre récompense. Merci, ce serait utile. Et étant donné que tu n'es pas sturgien, j'ai pas forcément envie de gagner plus de points de relation que nécessaire. Donc prenons l'argent là où il y a de l'argent. Donc ce qu'on va faire vite fait, c'est que je vais vite faire un tour. Ah, nice, des outils, j'en ai. Oui, cargaison d'outils, mais magnifique. Je m'en occupe, j'en ai déjà 10. Donc là, j'ai gagné 72 poissons de la part de Ulrich Sala, ainsi que plein de machins, c'est très bien. Est-ce qu'on a... Ah non, brigand endurci, on s'en fout. Je vais prendre quelques ostrocs pour dire d'avoir une meilleure cavalerie. Je pense que j'en aurai besoin. Donc, que disais-je? Je vais vite me rendre à Tial, voir s'il n'y a pas eu un... Petit truc qui a été réglé, genre un bâtiment construit par exemple. Pas mal. Livrer le troupeau à Balgar. Et Balgar, c'est sur le chemin. Très bien. Donc on va le faire. Et ensuite, je vais me rendre à Homor. Et à Varcheg. Varcheg, effectivement. Pour aller vider les stocks de bière d'un côté et... et de l'un, de l'autre, pour essayer de refaire refonctionner un petit peu nos ateliers. Par contre, la sécurité ici diminue, pourquoi? Prospérité, repère à proximité. Il y a un repère, il va falloir que... Ah ouais, le repère, c'est celui-là. Ok, il faudrait que je le fasse aussi. En attendant, cette quête-là, je déprise, donc ça, ça va être cool. Caravane marchande, je peux pas me permettre. Alors, gérer la ville. Non, je crois que c'était pas... Bah, de toute façon, dans un jour, ce sera fait. Ok, on aura les ateliers après. Très bien. Magnifique. On est presque à 900 000. Très bien. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais faire du... Bah, j'aimerais bien faire le groupe de bandits, quand même. On va s'arrêter ici. Et dans le prochain épisode, on s'occupera du camp de bandits et d'aller chercher... les ressources à Varcheg, Homor et Balgar, je pense. On va plutôt faire ça comme ça. Ce que vous pouvez attendre dans les prochains épisodes, c'est que dès qu'il y aura une guerre qui aura lieu, on va être beaucoup plus actif. Je vais essayer de trouver Ragnvald pour lui proposer la bannière du dragon. Puisque j'ai vu que c'était quelqu'un qui était quand même capable de tenir tête à un empire qui se portait bien. Donc on va l'aider dans ses... Comment dirais-je? Dans ses envies de conquête. On va essayer de l'aider du maximum qu'on peut. Un château de Dinard, par contre, j'ai l'impression que ça devrait être... Ah non, culture Kuzaït, ça, ouais, dis donc. C'est fou, j'aurais cru que c'était Sturgé. Hein. Enfin bref, donc tout ça pour dire qu'on va prendre une part de plus en plus importante dès qu'il y aura des guerres. Après, c'est pas moi qui contrôle les guerres, puisque c'est pas mon royaume, malheureusement. Donc, les épisodes où il n'y aura pas de guerre, malheureusement, ils seront un peu plus plats, et je m'en rends compte.
Mais on essaiera à chaque fois de trouver quelques petits objectifs. Si l'objectif c'était de faire un maximum de combats pour monter un petit peu nos troupes. Nos troupes sont plutôt pas mal montées là. On a un groupe qui est très correct, 110 troupes en plus. Plutôt pas mal. Et donc vous pouvez vous attendre à un peu plus d'action normalement. Et tout ce qui est hors action, j'essaierai de l'accélérer. Notamment quand je ferai de la forge, etc. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine.